Bonjour, nouvelle vidéo de vlog pour te montrer mon installation. Donc ça y est, j'ai installé l'écran. Voilà, tu vois, il est assez large, il est moins long que le précédent, mais il est plus haut. Donc c'est un format 16/9 et non pas un 21/9. Bon, mais bon, c'est quand même beaucoup plus agréable que l'autre. L'affichage est nettement meilleur. Et puis, alors je l'ai réglé pour que Alors j'aurais pu le régler pour avoir le plus d'espace possible, mais c'est tellement écrit petit qu'il faut une loupe pour regarder les caractères. Là, c'est plus agréable à l'œil nu, quoi, enfin à lire les choses, quoi. Et bon, surtout, ça va me permettre de faire du montage vidéo. En fait, finalement, avoir la timeline comme ça sur toute la longueur, c'est pas mal. Mais bon, j'ai pas non plus des films qui durent 2 heures. Mais en fait, avoir un écran un peu plus haut, finalement, c'est une bonne chose parce que quand je mets beaucoup de pistes les unes au-dessus des autres, bah ça me permet justement de tout voir sans avoir besoin de faire ça, quoi, de zoomer ou d'écarter les. Enfin, c'est un peu. Bon, finalement, c'est pas mal, je trouve. J'ai bien fait de prendre ça. Alors, c'est un écran, je sais pas si tu le vois, mais qui est légèrement incurvé. Ce qui fait que pour la facilité de lecture, l'écran, c'est pas mal. Ça évite de regarder. Enfin, voilà, c'est une manière de regarder l'écran qui fait que. Il est très légèrement incurvé, mais ça suffit. Alors, je sais pas comment ils font des appareils pareils, des appareils pareils. Mais bon, voilà, et puis, alors, le pied est super solide, quoi. Quand je l'ai soulevé, oh, c'est bien lourd, quoi. Et alors j'ai changé de bureau parce que avant j'avais un bureau sur des tréteaux. Là j'en avais un autre dans une autre pièce et j'ai mis ça. Surtout ça me permet d'avoir, j'ai plus de 20 cm de plus de. Enfin j'ai vraiment de la place. Et non seulement il est plus long, mais il est aussi plus large, plus en profondeur, ce qui fait que j'ai, toi, je peux vraiment étaler mon matériel dessus. Et moi j'aime bien avoir un bureau où c'est assez propre, tu vois. Et si j'ai besoin de poser quelque chose dessus, tu vois, je sais pas, une partition par exemple ou une caméra ou quelque chose, bah, je peux l'installer et le brancher. Mais c'est pas pris par, enfin c'est pas jonché de papier, etc. Je déteste ça. Moi j'aime bien le bureau propre, comme ça je peux me concentrer sur mon travail. Voilà. Donc moi finalement ça me plaît bien de faire des vlogs. Donc avant je faisais le vlog du dimanche soir, mais en fait je vais faire un vlog de temps en temps quand ça me prend et quand j'ai des choses à te montrer. Et en fait, ce que je fais, enfin, ce que je vais faire maintenant, c'est en fait le but de ça, c'est pas enfin, te former à l'informatique. Moi, je suis pas prof d'informatique, je suis prof de musique. Mais c'est te montrer comment j'organise mon home studio. Il va falloir aussi que j'accroche les instruments au mur parce que je commence à avoir pas mal d'instruments, mais tous les regrouper dans une même pièce. Et puis te montrer comment je travaille la musique, comment j'enregistre des morceaux, les mixages, tout ça. Enfin, si ça t'intéresse, c'est pas forcément ce qui va te permettre d'apprendre à jouer de l'harmonica par exemple ou du piano, mais je trouve que c'est pas mal de faire ça pour te montrer comment je travaille. Puis au moins pour la curiosité intellectuelle, c'est intéressant de comprendre comment on fait. Puis ça permet aussi de mieux comprendre la musique. Voilà. Donc si tu veux voir la suite des aventures, abonne-toi à cette chaîne YouTube Armand Chopin cours de musique. Et donc bah, on se retrouve demain pour la vidéo du samedi midi, ça change pas. Et puis de temps en temps un épisode de vlog. Ok? On fait comme ça. Alors il y a aussi les mini-cours en ligne. Enfin, je continue de faire un mini-cours le mardi, un mini-cours le jeudi en ligne. Et une nouveauté, dès mercredi prochain, il y a pas mal de nouveautés sur cette chaîne YouTube. Dès mercredi, je commence les podcasts. Ce qui fait qu'en fait, quand je me balade, j'aime bien marcher au moins 1 heure par jour. Et quand je me promène, bah, j'ai souvent des idées qui viennent et je me dis, tiens, je pourrais te parler de ça et te donner un conseil pour que tu débutes en musique. Et donc ça, c'est à partir de mercredi à 17 h. En fait, toutes les vidéos, maintenant, je vais les mettre à 17 h, le mardi, le mercredi, le jeudi. Enfin, le mardi, jeudi, c'est des vidéos, mercredi, le podcast. Et puis, alors, le samedi midi, comme ça s'appelle la vidéo du samedi midi, mais je continue de le mettre le midi. Sinon, bah, de temps en temps, je te fais un épisode de vlog et je mettrai ça à 17 h. Bon, ça peut être le lundi, ça peut être le mercredi, ça peut être le dimanche. Enfin, je veux dire, ça peut être le lundi, le vendredi ou le dimanche, on verra. OK? Voilà. Donc, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Puis je te dis à très bientôt. Et d'ici là, bien évidemment, bonne musique!